Thank you.
sur le 8, nous disons la parole du Seigneur. Nous disons la parole du Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Donne-moi mon Seigneur Évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. C'est l'évangile que nous désirons tant de tous nos auteurs, chacun de nous tous, Père. Car c'est l'évangile des pleurs péchés pour nous. Les serviteurs aussi ont ton Dieu pour apprécier aussi cela. Nous voulons aussi l'avoir aussi pour ce temps dans lequel nous vivons. Nous te remercions vraiment de ce que toi, tu es le Dieu qui veille. Il a dit, tu veilles sur ta parole à toi pour l'accomplir certainement au notre Dieu. Que tu l'amènes aussi certainement à l'achèvement, à l'accomplissement au notre Père. Nous te disons gloire à toi, notre Sauveur, pour la grâce que nous avons trouvée devant ta face, notre Dieu. De t'avoir comme maître, comme Dieu, comme sauveur, comme conducteur, béni comme Seigneur. Oh, notre béni, Seigneur et sauveur, comment me fuis-je, au Père, dans le moment le plus difficile, notre béni, Seigneur. Dans le monde est tellement bouleversé, Seigneur, les choses semblent tellement instables, mon sauveur, mais tu donnes encore la stabilité en toi, mon béni, Seigneur, Dieu. Tu envoies ta parole pour nous éclairer davantage, mon roi, pour réellement nous assurer, Seigneur, et tu nous confirmes aussi, mon maître béni, pour que nous soyons sûrs que c'est toi et que c'est toi seul, mon béni, mon Père, qui tient encore ta parole à toi, mon béni, mon Seigneur, et qui aussi conduit encore ton peuple, et qui éclaire notre Dieu. Tu as dit que nous n'abandonnerons point, mon béni, mon Seigneur, tu es le Dieu de ta promesse, mon Seigneur, tu tiens à tes promesses, et tu l'as confirmé aussi, mon béni, mon Seigneur, que la grâce de toi, et moi te voir, et que le jour encore aujourd'hui de te rassembler en cet endroit. Oh, merci, mon bien-aimé Seigneur, que ce Dieu que nous a donné au bien-aimé Père puissant, et te rassembler en cet endroit, où toi qui agis encore puissamment, Père, oh, qui sors encore puissamment, mon bien-aimé Père, tu guéris, tu ramènes, mon bien-aimé Père, des choses encore le cœur, et tu sauves les hommes, mon autre Dieu. Seigneur, merci encore ce matin pour les chants de l'éternité qui ont été chantés en cet endroit, Père, avec allégresse comme le chanteur de tout notre corps pour toi, parce que nous voulons vraiment être des vrais adorateurs, mon béni Seigneur, et en ton esprit, l'amour est ta parole à nos pères. Merci encore pour ce moment béni, Père. Merci pour tous ces frères, merci pour ma soeur, pour faire les enfants de ces personnes, pour les sommes inconnues, pour ta majesté à toi, Père. Nous te disons merci. Que ton esprit saint nous conduise encore ce matin, par ta parole puissante, mon sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Oh, passons aussi à nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion à différents pays, différents endroits, qui sont aussi bénis ce matin, dans le lieu où se rassembleront si peuples, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous retrouvons encore ensemble pour
exprimer de la reconnaissance à notre endroit, à l'endroit de notre Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous, et pour sa main puissante, glorieuse aussi, qui nous conduit encore jusque aujourd'hui. Nous nous souvenons du moment merveilleux que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce de pouvoir avoir ce vendredi. Nous étions vraiment rassemblés. Nous pouvons aussi dire avec cette Dieu que Dieu a tremblé. C'était vraiment merveilleux. Et les frères qui sont à l'étranger m'ont posé la question. Les frères, nous étions tous là aussi pour la connexion, pour que nous puissions suivre. J'ai dit, mais en fait, je pense qu'il n'y avait pas eu de connexion. Et je me dis aussi que même s'il y avait des connexions, les caméras allaient tomber. Parce que c'était un moment extraordinaire. Et vraiment, les frères, les sœurs, avant, vraiment, nous avons raté quelque chose. Il dit, cette visitation était particulière. Il dit, que ce soit Anne-Laure, que ce soit Vanessa. C'est merveilleux, hein? Tous nos jeunes sœurs qui sont ici, partout dans la salle, nous étions vraiment tous secoués. Et cette puissance était une puissance. Elle a changé nos vies. Nous ne supplions que les jours qui sont devant nous. Pour la conférence qui est en face à nous. Voyez-vous, frères et sœurs, quand nous nous retrouvons sans nos exigences et que nous avons nos cœurs vraiment disposés, le Seigneur peut faire des merveilles. Alors nous pouvons en témoignage que nous aussi, comme l'Écriture l'a dit, ils allèrent vers les leurs, et quand ils prièrent d'un commun accord, le Dieu trembla, et ils descendirent au second. En tout cas, nous avons l'idée de la Bible avec nous. Il fait vraiment avec nous et nous le remercions de tout notre cœur. Nous voulons continuer à persévérer dans cet aller effectivement pour que le Seigneur, notre Dieu, continue de pouvoir faire réellement son travail pour chacun. Nous avons vraiment besoin de cette main puissante pour qu'elle puisse davantage agir dans notre vie. Et certainement, c'est vrai que quand nous regardons et la parole de Dieu, et surtout, c'est tant comment le Seigneur lui-même prend encore puissamment le contrôle de sa parole pour nous révéler et nous ouvrir les yeux pour que nous voyons encore des choses qu'on n'avait pas vues, effectivement, et qui sont devenues des choses aussi beaucoup plus réelles, parce que quand lui, il ouvre, les choses deviennent encore beaucoup plus claires. Et nous réalisons aussi que, effectivement, que ce que nous recevons, il y a quelque chose que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir réellement préparer pour nous, pour les jours qui sont en train de pouvoir avancer. Parce que nous devons être certains de ce que la fin de toutes choses est vraiment proche. Nous sommes en train de pouvoir tendre vraiment à ce que les choses puissent réellement aussi se clôturer. Et comme nous pouvons le remarquer, le Seigneur, notre Dieu, travaille dans l'ordre. Et les disciples lui avaient posé une bonne question quand ils avaient entendu, lorsque le maître leur regardait et leur parlait, ils pouvaient réaliser autant de sérieux, autant aussi de compassion et d'amour, effectivement, dans ce qu'il leur adressait comme parole, quand ils pouvaient dire que deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé, deux mourront ensemble. L'une sera prise, l'autre sera laissée, deux seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera donc laissé. Ils lui ont donc posé la question de pouvoir savoir où sera Seigneur, parce qu'ils étaient vraiment certains, sûrs et certains que les choses se passeraient exactement comme le Seigneur l'avait dit. C'est cela la particularité en fait qu'ont ce qu'on appelle les disciples du Seigneur, parce que il leur a d'abord dit, je crois, dans le livre de Jean, chapitre 8, que et si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire qu'il y a une particularité qu'un disciple doit avoir. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a au plus profond de celui qui a réellement ouvert son cœur pour le Seigneur, parce qu'il faut que nous cessions d'être des comédiens chrétiens. Parce que, que Dieu te bénisse, mon frère, bénisse. Nous sommes trop des comédiens chrétiens. On essaye de pouvoir jouer simplement
d'une certaine manière qu'on voit. Puis on veut donner des impressions. Ça ne sert à rien. Ce que nous avons besoin, moi j'ai besoin d'être totalement changé. Pourquoi je dois jouer les jeux? Je ne peux pas. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose de vrai, de réel en moi. Quand on parle de ce Jésus, je veux aussi qu'il y ait quelque chose de ce Jésus dans ma vie. Alors c'est comme ça qu'il pouvait dire que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ah, nous aimons beaucoup la parole de Dieu. Je me souviens toujours dans le psaume au chapitre 1, je dis, Seigneur Jésus, c'est quand même extraordinaire qu'un être humain, un homme normal, puisse prendre plaisir à la loi de l'Éternel. C'est pas possible. Non, monsieur, il faut que l'on soit aussi sincère et conscient. Il n'y a pas un homme sur la terre ou une femme sur la terre qui peut aimer la parole de Dieu. Notre nature première, elle rejettera toujours Dieu. Amen. Personne ne peut me dire, frère, moi, non. Non, 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 non. Notre nature première, elle va totalement rejeter Dieu. Elle va rejeter ce que Dieu lui dit, effectivement. Pourquoi? Parce que nous sommes conçus dans le péché, fabriqués dans le péché. Donc, tout ce qui nous anime est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Donc maintenant, comment veux-tu prendre plaisir à la parole de Dieu? Il faut alors que quelque chose se soit vraiment passé. Cela que vous et moi, nous devons être sincères envers le frère, c'est envers vous-même. Amen. Il dit, est-ce que vraiment, je veux dire cela, il dit ici, verset 20, heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueur. Combien de fois dans notre marche, même étant que nous prenons parfois plaisir de s'asseoir à côté de quelqu'un pour entendre ce qu'il a à dire de nous de quelqu'un d'autre. Ça, c'est. Vous savez, c'est à ce moment-là, le cœur que tu as, il prend plaisir. Dis encore, parle encore un peu, dis encore un peu. Qu'est-ce qu'il a à dire? Vous comprenez? Donc en fait, il y a en fait quelque chose qui est en nous, qui prend plaisir à cette chose-là. Parce que la Bible dit ici, il dit, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Il faut que quelque chose se soit vraiment passé pour que vraiment, soyons sincères, frère. Que toi, tu sois assis, on vient te rapporter quelque chose qui est différent. On parle effectivement des choses qui n'est pas bonnes. Que toi, tu dis non, s'il te plaît. Pour que cela soit en toi, que tu agisses comme cela, il faut que quelque chose se soit passé. Amen. Frère, sœur, il ne faut pas qu'on se trompe soi-même. Très, on peut peut-être tromper quelqu'un, mais quand même, ça devient grave. Lorsque toi-même, que Dieu est miséricorde, tu arrives à voir tes regards dans un miroir, tu te trompes. C'est vrai? Alors il continue, dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Qui trouve vraiment son plaisir? Est-ce que vraiment ton cœur a âme à toi, trouve, faut pas répondre, mais c'est dit, examine-toi toi-même, qui trouve vraiment son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que ma soeur, est-ce que mon frère, tu trouves vraiment du plaisir dans la parole de Dieu? Parce que cette parole, mon frère, c'est comme un marteau qui brise la robe. Lorsqu'elle sort, elle te pointe du doigt, te montrera ton état. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur, ta vie. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, non, tu es merveilleux. Amen. Tu m'as repris aujourd'hui. Tu as montré mon état. J'ai résisté. Mais Seigneur, quand tu m'as montré ça, je te montre. Amen. Est-ce que tu peux, sincère, frère, on entend cela, ça touche le cœur, mais on sort pour les encolérer. Qu'est-ce qu'il avait à pouvoir? Est-ce que quelqu'un lui a parlé? Oh, que Dieu te parle, toi! Et il dit, mais qui trouve son plaisir. Ah, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, Dieu n'est pas un éboueur pour ramasser les saletés. Non. Jamais, frère.
Il n'est pas non plus un mendiant. Pour se mettre à genoux devant toi, pour te demander de l'aumône. Il dit, mais s'il te plaît, je t'en supplie, crois en moi. Fais ce que je demande pour faire pour que les gens voient quand même que je suis Dieu. Jamais. Amen. Dieu te bénisse, ma bien. Non, messieurs, c'est pas ce Dieu-là qui est le Dieu de la Bible. Jamais. C'est Dieu de la Bible. La Bible nous fait savoir qu'il est Dieu. Amen. Le Dieu de Dieu, les cieux de cieux ne peuvent pas le contenir. Il est le roi. Il domine sur toute chose. Donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est une personne qui a la joie de pouvoir réellement réaliser la grâce que Dieu lui a accordée. D'abord, de pouvoir aussi se souvenir. Vous vous souvenez quand l'apôtre Pierre a été donc invité dans la maison de Corneille. Cet homme, c'est païen, évidemment, et donc la nation d'Israël, tout le croyant juif, effectivement, considéré comme étant des déchets, parce que tu rentres seulement dans la maison d'un païen, tu es souillé. Il était interdit de pouvoir aller dans ces endroits-là. Et voilà que Pierre, on vient le chercher pour qu'il aille là-bas, pour laisser effectivement comment c'est passé, et il est entré, et quand il est sorti, après avoir apporté la parole de Dieu, effectivement, et ce que Dieu avait mis sur son cœur, lui, là, quand il est arrivé, vous connaissez comment ce que le Seigneur l'avait réellement conduit. Et voilà que ceux qui étaient dans cet endroit, qui ont entendu la parole de Dieu, leur cœur touché, évidemment, et que le Seigneur a manifesté sa bonté, le Saint-Esprit leur a été accordé. C'est quand Pierre est parti vers les frères. Mais on l'a pris en partie, il dit, mais toi, Pierre, comment ça se fait que tu es allé même chez les païens, tu es rentré dedans? Alors Pierre devait commencer à pouvoir leur parler, leur montrer effectivement comment d'abord la chose était dit. Mais moi, je n'avais même pas la pensée d'aller chez les païens. J'étais là, sur le toit, en train de prier Dieu. Parce que j'attendais qu'on me préparait en bas pour que je mange. Et bien, je suis monté là pour que je puisse prendre le temps de voir prier mon Seigneur. Et maintenant que je priais, attentivement, mais je vois une nappe qui descend là, qui est éternelle. Évidemment, dans cette nappe, tout ce qui est interdit dans les Saintes Écritures. Et j'entends la voix, pas de Satan. Parce qu'il connaissait la voix de Dieu. Amen. J'entends que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, mais lève-toi, tue et mange. Il dit, mais je sais que c'est toi qui me dis, Seigneur. Mais je sais aussi que ceci n'est jamais rentré dans ma bouche. Parce que ce n'était pas la chose que tu nous avais dit de pouvoir manger, tu avais interdit ça. Il dit, mais ce que. Et j'entends, il me redit encore que ce que moi j'ai déclaré comme pur, toi, tu ne peux pas le regarder comme impur. Alléluia. Il dit, mais pourrais-je résister à la voix du Seigneur? Comme l'apôtre Paul le disait. Et c'est comme ça que je suis descendu et puis je suis rentré. Et Corneille me racontant quelque chose d'extraordinaire qu'il avait lui aussi reçu de la part du Seigneur. La vision, et l'ange qui était là, qui a parlé. Et moi, je suis rentré là. Et pendant que je parlais, moi, je ne savais rien. Pendant que je parlais, et voilà que le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous. Donc Dieu n'a pas fait la différence entre eux et moi. Et nous, non. Ils ont aussi, nous avons aussi le même don que, effectivement, dit, mais pouvais-je, moi, Alléluia. Amen. M'opposer au Saint-Esprit. Non, monsieur. Non, monsieur, je les ai baptisés. Dieu te bénisse, mon Père. Je les ai baptisés. Ils ont vu l'assurance de Pierre et comment ils ont dit, ah, donc, Dieu a donc accordé quoi? La repentance aux païens, afin qu'ils soient sauvés. Donc, vous voyez comment les choses sont dites. C'est une grâce quand Dieu te reprend. Alléluia. Donc, la repentance de Dieu, effectivement, dans ton cœur, te conduit à la vie. Amen. Donc, le vrai croyant, un fils de Dieu, quand même il a une mauvaise voix, quand la parole vient, Amen. Il n'a pas jugé écriture sur écriture. Non, monsieur. Il est parce que d'abord, la grâce qu'il a, c'est que la fausseté qui s'accroche à lui est démasquée. Amen. Parce que l'esprit de l'erreur est toujours plus près à faire ça. Il va toujours se glisser dans les frères et dans les sœurs. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures,
Le Seigneur dit, garde ce que tu as. Amen. Afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Ce que le Seigneur, notre Dieu, fait de nous, ce qu'il est en train de pouvoir faire, ce que nous puissions être tellement affermis. Amen. On l'avait entendu, je pense, c'était jeudi. Qu'est-ce qu'il fera? Amen. Il vous fortifiera. Pour les gens qui regardent. Que Dieu tout bénisse, mon précieux. 1 Pierre chapitre 5, je suppose que c'est ça. Pierre chapitre 5. Je pense que c'était sur la Pierre. Merci. Pierre chapitre 5. En Pierre au chapitre 5, il dit ici, voilà, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, et qu'est-ce qu'il fera? Vous rendra inébranlable. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est sûr et certain. Et vous voyez, et quand on voit cette action, effectivement, dont il est parlé de nous rendre inébranlables, ça veut dire que vous êtes tellement enracinés que rien ne peut arriver à pouvoir maintenant vous secouer, faire de vous que vous puissiez douter ou penser que non, c'est peut-être pas Dieu, effectivement. Non, un fils de Dieu, il a quelque chose de qui dit que ça. Peu importe ce que tu peux t'accrocher, mais sois sûr que ceci n'est pas de Dieu. Regardez, l'apôtre Paul est dit ici, je pense, dans le livre de Colossiens, bon, si je relis cela, puis nous retournons dans ce que je disais tout à l'heure. Regardez très bien, verset, dans Colossiens chapitre 1, verset 3, il dit, chapitre 1, verset 23, dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les ciels et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous dites, mais frère, on n'a pas très bien compris ce que tu viens de dire. Et en fait, vous l'avez compris. Pourquoi ? Je crois que ce mercredi, jeudi, nous avons lu les versets précédents. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Qu'est-ce que le verset précédent nous a dit? Effectivement, regardez très bien. Regardez le verset précédent. Religieusement, parce que c'est vrai que je trouve une religion verset. Le verset précédent, il nous dit ceci. Regardez bien. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Vous comprenez, non? Ah oui, mon frère. Il dit que, comme nous le disons, effectivement, ils ont dit, mais Dieu a donc accordé aussi la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie, donc qu'ils puissent être sauvé. Et il leur dit encore, dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, vous connaîtrez certainement la vérité. La vérité vous affligera. Oui, monsieur. Amen. Et nous avons lu ici, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Oh oui, monsieur. Parce que il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui, selon sa propre nature, mon frère, peut vraiment prendre les Écritures et être dans la joie et puis dire, mais c'est bon pour moi. Non, messieurs, chacun, effectivement, d'une manière ou d'une autre, fuit la parole de Dieu. Parce que sa nature est contraire à ce que la parole de Dieu dit, sûr et certain. Alors, comment est-ce que moi, je peux arriver à prendre plaisir dans la loi de l'Éternel? C'est là la question que vous et moi, nous pouvons nous poser. Et comme je l'ai toujours dit, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, il faut arrêter de jouer la comédie. Parce que c'est votre vie avec laquelle vous êtes en train de pouvoir jouer. Nous l'avons lu avec vous, je pense, mardi.
Les riches aussi qui prenaient plaisir à la vie joyeuse. Eh bien oui. Tandis que cet homme ici, Lazare, qui avait des ulcères partout, et on ne veut même pas s'approcher de lui. Mais il avait la particularité, c'est que Lazare avait Dieu. Amen. Vous vous souvenez? Le riche menant sa vie joyeuse, effectivement. Oh oui, il avait l'impression qu'effectivement, que, ben, il était un chrétien, ça n'allait, il n'avait pas de problème. Parce que il a bien reconnu Abraham quand même. Amen. 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 Alléluia. Je suis résident. Il a même dit, Père Abraham. Il n'a pas dit, Monsieur, qui êtes-vous? Non. Père Abraham, c'est qu'il savait quand même. Amen. Donc sur la terre, l'évangile était prêché, il entendait quand même. Amen. Donc j'ai dit, mais j'ai cru, mais en fait, il avait aussi un chrétien qui était limitrophe. Quand tu es limitrophe, tu le sens, tu le sais. Oui. C'est la vérité. Il ne faut plus te tromper toi-même. Amen. Il faut que tu sois sincère envers toi-même. Amen. Donc, effectivement, que chacun, nous devons être conscients que la nature même de l'homme conçoit le besoin. Aimer Dieu et prendre plaisir à la parole de Dieu. Et vous savez, d'ailleurs, nous revenons un peu plus là-dedans. D'ailleurs, vous le savez, le Seigneur Jésus, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, parce que c'est comme cela qu'il a continué. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit à Timothée, de Timothée 4. Parce qu'il aimait tellement Timothée, il savait qu'un jour il s'en allait. Et que Timothée puisse essayer de faire dans la parole de Dieu. Vous connaissez, non? Qu'est-ce qu'il lui dit? Oh! Amen. Timothée, mon ami! N'est-ce pas vrai? Amen. Il dit, mais il y aura un temps qui va venir! Qu'est-ce qui va se passer? Les hommes ne supporteront plus la scène. Amen. Oui. Il dit, mais ils auront la démangeaison. Examinons-nous, mon frère et ma soeur. Examinons-nous, frère et soeur. Ils auront la démangeaison, d'entendre les choses qui sont agréables, qui plaisent aux oreilles, effectivement. Eh bien, il n'y a pas de problème, frère. Vous savez, oh, mais tous on est croyants, tous on est chrétiens. Frère, on va partir dans l'enlèvement. Il n'y a pas de problème, la direction s'est ouverte. Dieu, mais Seigneur a versé son sang, ouvert, tu prends l'enlèvement. Mais on aime bien entendre des choses comme ça. Mais Dieu traite effectivement d'une manière aussi durement et personnellement avec ses enfants. Amen. Leur montrant, parce que, vous savez, avec les scories, tous ceux qu'on a, il faut que Dieu travaille. Amen. Pour qu'on pense effectivement qu'on va aller comme ça. Non, messieurs. C'est pourquoi Dieu nous instruit. Nous y arriver. C'est pour ça que Dieu nous instruit, nous, pour que nous sachions vraiment. Parce que, à nous, Dieu ne veut pas nous cacher quelque chose. Amen. Parce que, si aujourd'hui, s'il vous plaît, frère, si aujourd'hui, la terre et le monde veulent réellement connaître la vérité, et vraiment, qui est vraiment le vrai Dieu, mais c'est pas vous. C'est par l'Église. Amen. Que le monde doit connaître effectivement la révélation de Dieu, parce que nous sommes qui sommes-nous. Mais nous sommes le corps de Christ. Amen. Vous n'avez jamais pensé, mais c'est la Bible qui l'a dit. Nous sommes que le monde doit voir, effectivement. Mais quand il regarde, il dit, mais c'est certainement. Et ils sont ceux-là. Donc, nous devons aussi réaliser que c'est avec nous que le Seigneur, notre Dieu, fait l'histoire. Alors il dit, mais ils auront la démangeaison de Timothée, hein, pour lire avec vous, hein, au chapitre 4. De Timothée 4. Regarde, Timothée au chapitre 4. Oui, voilà, c'est de Timothée chapitre 4. Il dit, oh, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, notre Seigneur, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son avènement et de son royaume, toi, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, réprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se donner une foule de docteurs selon les désirs de Dieu? Non, selon leur propre désir. Ça veut dire que ce cœur-là, cet homme-là, cette fois, ne peut pas dire que je prends plaisir
à la loi de l'Éternel. Je prends plaisir à la parole de l'Éternel. Parce que la parole éternelle nous dit une chose qui est tout à fait contraire à notre pensée, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ils se conduisent par eux-mêmes, mais ils se conduisent selon la parole de Dieu. Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Vous savez, et je voudrais vous montrer quelque chose. Vous vous souvenez quand le Seigneur était dans les jardins de Gethsémani? Vous vous souvenez? Amen. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à pouvoir prier en disant « Si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et puis après, il dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est quand même un moment tout à fait particulièrement difficile, frère. Il a réagi directement en disant, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Mais auparavant, il a dit, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Ah oui. Notre Seigneur a vraiment apporté notre humanité. La Bible ne dit-elle pas qu'il a été aussi tenté? Vous savez? Bien sûr, monsieur, en toute chose. La nature de l'homme tel que nous sommes en tant qu'homme ne peut pas aimer Dieu. Ne peut pas se réjouir dans les choses de Dieu. Non, monsieur. Non, c'est pas possible qu'elle puisse arriver à pouvoir se réjouir et prendre plaisir dans les choses. Et même, regardez-vous bien, frère. Ça, je voudrais que vous puissiez bien prêter attention. Quand notre précieux frère s'est tiré ici, je termine d'abord l'écriture. Regardez d'abord, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Regardez bien, il dit quoi? Verset 2 Timothée 4, verset 3, déjà bien encore, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Ah oui, regardez, quand notre précieux frère se tient ici, et il conduit les chambres, et sous l'onction, vous sentez comment les choses vont. N'est-ce pas vrai? Alors, les êtres souverains, ceci s'y mettent aussi. Maintenant, la question, je veux votre attention ici. Vous me regardez ça. Je veux que vous me regardiez ici. Quand vous mettez debout, quand vous sentez pousser à pouvoir sauter et danser, la question que je voudrais que vous vous posez, c'est ça. Lorsque vous vous levez là, quand vous dansez là, vous dansez à cause de la musique, la guitare et les tombes qui s'est fait là-bas tout autour. Non, je ne vous demande pas de répondre. Parce que vous savez, la guitare dans l'ambiance, les tombes dans l'ambiance, parce qu'on est là. Alors, vous dansez en pensant en quoi? Votre esprit, parce que vous savez, ce que je vous ai toujours eu à pouvoir dire ici, je l'ai dit, mais vous le faites. Vous achetez des CD ou des DVD à l'extérieur. Vous savez, j'étais quelque part, mais finalement, bon, j'avais quand même des larmes, mais j'ai continué le chemin. Je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas possible, mon cœur brisé. Ce que j'ai écouté, ce que vous écoutez, j'ai dit, Seigneur, malgré les prédications qu'ils entendent, vous avez des CD dans vos voitures qui n'ont absolument rien, frère. Je pleurais, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais vous les écoutez, et vous venez ici encore. Alors, vous posez la question, vous aimez ces CD-là, mais c'est vraiment du monde en plein, vous connaissez ça? Et quand vous dansez en rapport avec ce que vous avez là. Ici, dans les Saintes Écritures, ça veut dire que danser comme vous dansez, c'est biblique, mais il faut que ça soit sous l'esprit. Amen. Comme David, lui. Ce n'est pas qu'il voulait faire comme ça, comme en pensant à quand il était, je ne sais pas moi, dans une boîte. Vous connaissez, non? Parce que tous ces frères,
Nous sommes dans un âge mauvais. Amen. Un âge de mélange en tout, frères. Si j'avais le temps, parce que je voulais avoir ce temps, comme je l'ai dit, je voulais avoir le tableau, mais je crois que le Seigneur voudrait que vraiment que je puisse le faire, le temps dans les avenirs, effectivement, pour avoir plus de temps avec vous. Je vous aurais montré, frère, vous aurez pleuré. Remarquez, frère, nous sommes dans un âge, l'âge le plus mauvais et l'âge le plus séducteur. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. L'âge où un mélange tout à fait terrible, frère. Et la séduction est tellement si proche. Et on peut tomber sans se rendre. Tous ceux que vous avez, surtout quand ils viennent dire, mais ce sont des frères dans le message qui chantent. Mais frère, le fait de dire que frère dans le message qui chante, ça ne signifie rien. Pourquoi pas plus frère dans le message? Non, frère dans la parole. Amen. Frère dans l'esprit. Amen. Tous ne sont pas des frères. Non, non messieurs, vous direz, mais oui, parce qu'ils croient à Dieu, envoyer les prophètes. Je crois aussi aux prophètes. Mais je vais vous poser la question. Aujourd'hui, combien dans le monde croit-il que Jésus est sauveur? Les pentecôtistes les croient, les baptistes les croient, et tous sont des frères. Il y a une différence, messieurs. Amen. C'est pas parce qu'on dit effectivement que je crois en Jésus, lequel Jésus d'abord? Frère d'une fois de message, je ne sais pas où. Enfin bon, j'ai dit que vous avez tout dit, je ne sais rien, ce n'est pas un problème. Enfin bon. Disons, alors ce que vous écoutez, c'est ce que, parce que. Les cantiques, si ça a à voir avec Dieu, ça doit être inspiré. Amen. La Bible dit des cantiques inspirés. Frère, c'est là que la Bible nous fait comprendre qu'il prend plaisir. Maintenant, qu'est-ce que vous, quand vous entendez ça, vous prenez plaisir? Ou bien vous commencez à voir vos ronchonnets, mais oui, ils nous attaquent dans le CD, et de toute façon, quand même, on chante Jésus quand même. Mais la parole est dit, mais c'est pas les CD, les DVD que vous devez écouter. Parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui, parce que quand vous les écoutez, ça ne vous conduit jamais. Maintenant, si maintenant vous les écoutez, qui sont sur le marché, et que vous dites, ah, c'est vraiment de Dieu, il y a un problème avec vous. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir une relation avec l'Esprit du monde. Amen. Non, messieurs. Amen. C'est pourquoi tu nous dis, même 5 jours de semaine ici, il faut. D'ailleurs, je pense que pour que vous puissiez voir comment les choses sont loin par Dieu. Vendredi. La guitare seule. Vous étiez ici, non? Quand ce jeune homme ici a commencé avec sa guitare chanter les cantiques. Vous avez senti comment vous avez été. C'était simplement une guitare. Avec les doigts. Donc son âme était tellement loin. Il était de voir jouer. Et vous sentiez, vous, que ici, vraiment, Dieu est dans la chose. Vous avez compris, non? Parce que c'est comme ça quand Dieu saisit la personne. Parce que deux personnes ont le même instrument, ils joueront au même rythme, effectivement, mais vous sentirez. Amen. Et ici, il y a un autre esprit. Amen. Et là, il y a un autre esprit. Deux personnes peuvent danser le même cantique. Vous voyez que celui-ci, quand il commence à faire comme ça, c'est là, c'est l'esprit, celui-ci, ça devient charnel. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Ne soyez pas fâchés ou blancs, mais non. Non, monsieur, c'est la parole. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous conduisons nous-mêmes. Amen. Dieu veut avoir la domination sur toi. Dieu soit béni, parce que j'étais touché quand l'Esprit a saisi cet enfant, Mère Marie, je pense, Isaac. Fallait entendre comment elle pleurait. Et vous ne pouvez jamais faire ça en public. Amen. On a entendu l'âme de l'enfant se répondre, Seigneur, où il chassait tout ce qui était mauvais en elle. Amen. Et quand quelqu'un arrive à ce point-là, Dieu travaille. Amen. Il faut que quelque chose se passe. Alors quand il me dit, mais on ne veut pas ce qu'on dit, je ne veux plus faire ce que moi je veux, mais que ce que toi tu veux. Amen. C'est pas que quelqu'un qui l'a forcé. Même le Seigneur s'est tenu là. Amen. Donc, ce que Dieu veut, ce que lui est la domination, la prééminence sur chacun de nous. Que chacun puisse arriver à dire, ah Seigneur, moi je ne m'appartiens plus. Et quand tu viens dans la maison du Seigneur comme ça, quand la parole de Dieu sort effectivement, même si ça te blesse toi, parce que ce sont des choses qui nous arrivent, effectivement, ça te blesse, mais je ne m'énerve pas. Amen. Je dis, Seigneur, j'ai écouté ces saletés-là, parce que vous direz, mais ce pasteur est toujours là, par rapport à cette histoire. Écoutez bien, parce que ce sont des choses que j'ai vécues, je voulais raconter ici. Amen. Quand j'avais mon entreprise,
Et un client était venu, il venait encore de l'Angola en plus. Et moi, il savait que je servais Dieu parce que le matin, je travaillais et le soir, j'étais à l'assemblée. Et il est venu parce qu'on lui a dit, mais celui-là est un homme de Dieu, allez chez lui. Il est venu. Le monsieur a acheté tout ce véhicule en son nom, en fait. Il m'a dit, mais pasteur, je voudrais que vous m'accompagniez parce que comme vous êtes responsable, comme ça, vous pouvez voir, prendre effectivement tous les stocks. Évidemment, il fallait que je sois. Et puis, ben, il m'a dit, bon, je viens avec ma voiture pour qu'on parte avec vous. J'ai dit, pas de problème. Il vient, il cherche le bateau, je lui vais aller à la demande avec lui. Il ouvre la portière, moi je rentre, je m'assieds. Il me dit, mais pasteur, comme nous allons partir avec vous, j'ai un cousin, moi, qui est aussi un chrétien. Je voulais qu'il se joigne à nous. Ah bah, je lui dis, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'étais derrière, assis, son cousin était devant avec lui. Donc, le païen qui était donc le client, il s'est conduit dans sa voiture, j'étais présent. Il avait les chansons du monde. Oui, dit tout bon, dit, vous connaissez. Et lui, il était content au volant. Il était, et il était en train de pouvoir faire son mouvement. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça qu'il faisait. Alors, il était content. Et puis, tout d'un coup, son cousin chrétien, il s'est regardé. Oh, cousin croyant. Non, il dit, cousin païen. Donc, vous comprenez. Il dit, cousin païen, il dit, cousin. Il dit, notre livre, oui, mon cousin. Il dit, mais moi, je suis devenu un chrétien. Il dit, mais je le sais. Parce que tu me l'as dit. Il dit, mais oui, mais comme je suis chrétien, je ne supporte plus les chansons du monde. Il dit, bon, ça te dérange. Il dit, non, non, ça me dérange vraiment. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, mais oui, mais j'ai une cassette de cantiques que nous chantons. Des dieux que nous adorons, que nous chantons chez nous là-bas et que moi aussi je chante. Il dit, ok, bon. Je crois qu'il chantait aussi là avec eux. Il dit, tu veux que j'enlève ma... On dit, oui. Comme ça, on met la nôtre ici, ça donne. Hein. Moi, j'étais derrière la voiture, présent, je ne disais rien. Ce n'était pas ma voiture, ce n'était pas mon affaire. J'ai laissé faire. Et puis, j'étais content. Il dit, ah, au moins, j'ai trouvé la joie d'avoir un croyant qui est venu avec une cassette de cantiques qu'on va écouter tout au long du chemin. Seigneur, merci, je me relaxe. À peine, il prend le cousin non-croyant n'a pas discuté. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il dit, il enlève sa cassette. Et puis, il prend la cassette du cousin croyant. Il met là-dedans des cantiques. Et puis, Tintin, ça commence à jouer. Il disait rien. Puis, tout d'un coup, pendant qu'on roulait, le cousin païen demande au cousin croyant. Cousin, moi derrière. Il dit, oui, cousin. Il dit, mais tu m'avais dit que tu étais croyant. Il dit, oui. Et tu m'as dit aussi que j'enlève ma musique pour qu'on écoute, effectivement, la voix de Dieu. Il dit, oui, c'est la voix de Dieu ici. Il dit, oui. Il dit, mais cousin, il n'y a pas de différence entre ce que moi j'ai joué et ce que tu m'as mis maintenant. Qu'on enlève simplement le nom de Jésus, c'est ma musique, cousin. J'étais derrière ici. J'ai dit, mon sauveur, tu peux parler par la bouche d'un païen. S'il était chrétien, il devait. J'ai dit, mais il devait se répandre. Oui, monsieur, ça n'avait rien. Si un païen te dit ça, c'est que c'est le même esprit qui est dedans. Donc ça n'a rien à voir. Donc vous aussi, mon frère, vous aussi, ma soeur. Il faut que quelque chose se passe pour vous, pour que vous puissiez quand même réaliser. Il y a une telle influence dans le monde, et cela aussi, dans les églises aussi. Quand quelqu'un s'élève aujourd'hui pour avoir les dons, vous savez, j'ai eu à pouvoir avoir quelque chose ici que j'ai vécu. C'est vrai, vous me détesterez, c'est votre droit. Alors, j'étais parti au Mexique. On m'a dit, oh, nous avons des frères ici qui ont des dons, qui chantent effectivement dans la message. Ah ben, dis donc. Il me donne la cassette, je mets, je écoute. Aïe, aïe, aïe. Little, little, little. Vous savez, oh, comment on me chante ça. Vous connaissez la cabane de frère pendant où il était. Oh, là on te parle. Yes, no, hallelujah. Un casino à Kita. Et on est bon, comme si tu dis quoi. Et une cabane. Et tu sais, je vais parler en français. La cabane. Et puis il dit, les vents dans les arbres. Et puis la voix sortie. Glory, glory, glory. J'ai dit, les vents dans les arbres. Et la voix qui sort. Et la cabane. Et la maman. Mon papa était colcolique. J'ai dit, ça c'est les cantiques de Dieu. Ah mais c'est. J'ai dit, mais frère. Quand même si on est quand. Ce que je vous dis est 100% vrai, frère. Tu dis, c'est pas possible ça. Oh, Malachi 4, envoyez ceci, frère. Non. Frère, quand même, pour l'amour de Dieu. Je ne crois pas que cet homme de Dieu aurait aimé qu'il soit chanté dans les champs. Non, messieurs. Il y a quand même des choses que. Mais nous, quand c'est inspiré de Dieu, c'est inspiré. On sent que ça vient de la parole de Dieu. Et les cantiques inspirés glorifient quand même l'auteur. Amen.
C'est vrai, justement, qu'on détestait plus. Mais en fait, c'est que nous devons comprendre une chose, que il y a des choses que nous faisons et qui nous plaisent effectivement. Pourquoi, mon frère? Pour quelle raison? Parce que malgré que nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes encore charnels. La nature de la chair a encore la pression sur nous. Que Dieu te bénisse ma appréciation. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que la chair, effectivement, est là, et puis on fait l'impression comme si on n'a pas. Non, la chair, elle est là. Mais la Bible nous fait comprendre, mon frère et ma soeur, que ces luttes, ces combats-là, effectivement, que tu as, la chair et l'esprit, mais Dieu est capable de la victoire. Amen. Comment un homme charnel comme moi, je peux aimer la parole? C'est pas possible. Mais puisque je veux aimer la parole, quand ce désir est au plus profond de ton âme, alors Dieu répond. Amen. Seigneur, en fait, moi, certainement, c'est vrai. Je viens parfois à l'assemblée, je m'assieds là, je regarde à gauche, à droite, je dis, bon, écoutez, mais qu'est-ce que l'autre pense de moi? Je suis là, je dis, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je dis, mais bon, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit, dans ma pensée, je ne suis pas tellement bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on est l'enfant de Dieu, on doit savoir que puisque on est de Dieu, les choses sont tout à fait différentes. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fondamentalement en moi. Mais bref, regarde. Comment est-ce que moi, je peux arriver à pouvoir maintenant vraiment prendre plaisir dans la parole de Dieu? Et quand j'entends, même si j'avais une pensée contraire, je dis, Seigneur, tu es vraiment bon. Parce que j'allais m'égarer. Je me suis... Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, c'est tout à l'heure, oui, dans le chemin, quand je venais. Je venais, j'étais avec ma fille, avec mon épouse dans la voiture. Je conduisais, puis je dis, Dieu, tu es vraiment très bon. Il dit, tu es merveilleux. J'ai dit, non, j'ai dit, tu es vraiment trop bon. Vous allez comprendre. Il dit, Seigneur, tu es vraiment trop bon, mais merveilleux. Et nous, les autres, parfois, on ne se rend pas compte. Vous savez que, après 32 ans, nous avons toujours la conférence ici, non? À quel moment avons-nous la conférence? Le mois d'avril. N'est-ce pas vrai? Alors nous avons tous prévu effectivement d'avoir le mois d'avril, cette année-ci. Donc les dates, on les avait prises effectivement. Et quand nous sommes allés pour pouvoir effectivement prendre et louer la salle, la grande salle effectivement, pour recevoir les invités, vous savez? Bizarre, parce que tout le temps j'y vais, il n'y a pas de problème. Mais cette année-ci, on dit non. Monsieur, j'ai laissé, non. C'est... On ne peut pas vous louer la salle. Pour quelle raison? Bon, mais parce qu'on pense qu'on a un projet sur la salle, c'est-à-dire qu'on va faire des travaux. J'ai dit non, quand même, parce que le Seigneur, il s'est quand même voir la salle. Quand même, les travaux, dit, mais écoutez, monsieur, dites-moi, est-ce que ces travaux, vous ne pouvez pas les faire avant ou après pour que. Il dit non, on n'a pas encore décidé, mais nous pensons que ça doit être. Moi, j'ai dit, aïe, Seigneur, Jésus fait qu'ils puissent avoir leurs travaux à peut-être avoir, mais qu'ils nous donnent pendant la période là. J'y vais. Oui. Je regarde et j'ai dit, c'est quand même bizarre. J'écris. Monsieur dit non, monsieur, en tout cas, bon, on regarde, mais je pense que d'après ce que l'entrepreneur va faire, et ça sera au moins cette période-là, comme c'est pareil de vacances comme les enfants. Je dis, mais tout de même, l'entrepreneur, c'est ce qu'il a dit, mais oui, c'est ça la période. J'ai dit, bon, je ne faisais pas trop de. Et puis, on dit, tiens, c'est bizarre quand même, mon Dieu. Et j'ai dit, bon, maintenant, puisque il faut quand même une semaine, une semaine, il faut quand même le louer, pas dire. Il dit, non, monsieur, c'est pas, on ne peut pas vous louer. Parce qu'on s'est dit, peut-être que l'entrepreneur va faire peut-être une erreur. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est bizarre. J'y vais, et je sens qu'il y a de l'opposition. Et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, bon, puisque cela est ainsi. Il dit, bon, alors maintenant, on ne va pas nous prendre pour le mois d'avril. Eh bien, maintenant, quelle est la période pendant laquelle, effectivement, cette salle sera promise? Monsieur m'a dit, mais écoutez, monsieur, bon, ça dépend. Il y a toute une liste là, mais vous voyez, la date qui vous convenait, peut-être au mois de mai, peut-être c'est pas bon. Et puis, j'ai vu les dates pour le mois de mai. J'ai dit, bon, on va prendre quand même ce week-end. Évidemment, quand j'ai choisi, je me suis dit, ouf, je dis, c'est bizarre. Mais c'est lui qui m'a fait part que
Tu dis, mais c'est moi, il n'y a pas de congé. Oui, c'est moi, mais vous voyez, il y a une période de si, je pense que c'était, je ne sais pas qui me l'avait dit, comme d'un de ces jours fériés, mais c'est lui qui m'a fait part que si c'est le vendredi ou le lundi, le jour est férié par rapport à. Je prie. Pourquoi dire c'est naturellement. Mais regardez, donc j'ai pris donc la date, on est ok, monsieur, mais c'est pas de problème, vous payez, talalala, on a fait tout le papier, il a envoyé. Donc quand je dis ça, c'était bon. Mais avant, quand je voulais, ça résistait. Puis quand je dis, bon, mais là, Seigneur, on ne fera pas plus rien faire. Puis la date vient, puis bon, on a pris la date. Vous n'avez pas remarqué, frère, c'était pendant cette période, effectivement, que l'aéroport a été bombardé. Vous vous souvenez? Quand l'aéroport a été bombardé, je me suis assis, j'ai dit, Dieu du ciel. Donc moi, ici, l'homme, je ne savais pas, mais tu savais. Je voulais forcer. Tu savais que ce qui allait se passer, tu avais remarqué, donc, pendant cette période, effectivement, on ne pouvait même pas avoir l'occasion de voir ces rassemblements, puisque les militaires à gauche et à droite, les rassemblements étaient problématiques. Il est Dieu. Amen. Et alors, regardez bien, effectivement, et le tout, dernièrement, qu'on voit que le ciel était assombri avec la neige, avec ceci, Dieu est bon. Amen. Et la semaine de la conférence, 21 degrés. Tu es trop bon. Alléluia. Et maintenant, frère, ils sont nombreux qui ont dit les visages sont très venus ce matin. Il y en a qui sont là-bas. J'ai dit, mais Seigneur, tu savais. Non, nous t'aimons. Tu es bon. Il est trop bon. Alléluia. Non, papa, frère, bon, tu sens que tu veux faire. Il y a opposition. Abandonne. Ne fais pas, j'ai essayé. Il ne savait pas que les bombes allaient tout. Lui, il savait. Et si tu insistes, tu prends ça, la bombe qui va tourner, sans rien faire. Qui allait venir par l'aéroport brûlé? Il allait aller où? À Charleroi, l'espoir. Frère, j'allais recevoir les frères comment? Maintenant, ils viendront. Les choses ne sont que. D'ailleurs, on nous a dit que l'aide de l'aéroport est réparée. Donc on peut même aller, Notre Dieu, si vous êtes ici, il dit, tu es trop bon. Quand je regardais la météo, j'ai dit, mon Dieu, 21 degrés. Comment ne pas louer? Donc, l'homme, le fils et fille de Dieu, s'il pouvait simplement se laisser. C'est-à-dire que pour avoir la grâce de Dieu. Alors, comme il disait, effectivement, comment je peux arriver pour prendre plaisir dans la parole de Dieu? Quand Dieu t'aime, mon frère et ma soeur. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. Lorsque tu veux aller dans une direction, quand il t'aime vraiment, il va te retenir, il va mettre des obstacles pour que... Mais toi, c'est comme l'homme Balaam. Vous souvenez? Balaam, tu lui dis, dis-moi toi, Balaam. Mais Balaam, il voulait. Jusqu'à ce que même l'ange s'était dit sur le chemin, dit, mais là... Même jusqu'à épuiser un homme. Je vous dis une chose, frère. Je ne sais pas pourquoi je l'entends, mais je dis, mais comment, quand vous n'obéissez plus à la parole de Dieu, vous devenez aveugle. Satan, il vous aveugle tellement que vous devenez fou. Comment un homme normalement constitué, un prophète en plus de Dieu, pouvait parler avec un âne? Non, c'est vrai, ma bien-aimée soeur. C'est vrai. Un homme sur lequel tu t'es, il n'a jamais parlé. Jamais tu as entendu qu'il en a parlé. Non. Mais ces jours-là, pour voir qu'on était tellement fou, il voyait Balak avec les trésors. Il dit, mais pense que Dieu t'a dit, non, Balak, dont les pensées n'étaient plus en Dieu, il était. Mais quand on est dans cet état, effectivement, et on est tellement omnibulé, alors tout ce qui est spirituel n'a plus de lien. Et puis, paf, et il veut passer, paf, il sort que. L'âne le coince contre le mur. Il tape encore l'âne. Et puis il bouge encore, l'âne le coince encore contre le mur. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas obéir? Et à ce moment-là, vous savez, il parle aux animaux, hein. Ça arrive, non? Quand je dis ça nous arrive, moi j'ai un chien. Vous savez ce qui se passe? Alors quand j'arrive, ce chien, il est intelligent, il connaît. Alors j'arrive à la maison, oh, sa queue commence à travailler. Si est là-bas, il entend ma voix. Donc il faut qu'on puisse se libérer. Il vient. Alors maintenant, il se met, il va lisser comme ça. Si on venait chez moi, la maison, vous le montez. Il me regarde comme ça. Puis,
Je me regarde encore. Et puis il me regarde. Puis il me regarde. Alors j'ai dit, j'ai compris. Quand il me voit venir et que j'ai le blouson sur moi, les chiens deviennent le plus heureux. Pourquoi? Il va jusqu'à pouvoir même chercher à voir m'ouvrir la porte de son lit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec les blousons, je vais me promener avec lui. Oui. Alors maintenant, quand je vais maintenant au bureau, je suis en costume. J'ai les pères sur moi, je viens au salon, il vient, il me regarde, et puis je le regarde. Il peut vous le dire, je dis, mais écoutez, aujourd'hui, je vais aller travailler. Je vous assure, ils sont étonnés à la maison, ils disent, mais papa, tu parles, je dis, écoutez, attendez. J'ai dit, maintenant moi, tu vois mon sac, je vais travailler, je ne peux pas me charger de toi, tu vas au bureau. Et tous, ils voient les chiens qui regardent, qui restent comme ça. J'ouvre ma porte, mais je ne suis pas. Je veux. Mais quand il me voit avec un blouson, j'ai beau parler. Non. Il danse toujours parce qu'il sait que avec ça, c'est pas le bureau. Avec ça, c'est. Donc moi aussi. Enfin, je parle au chien. Ils me disent, mais papa, tu sais, c'est toi qui te répond un jour. J'ai dit non. Je lui parle. Parce qu'il doit comprendre. Et il comprend que ce. Donc, mais madame, c'est différent. Madame était sur le sur l'âne, et l'âne que lui parlait. Et madame ne se rendait pas compte que l'âne lui répondait. Et il continue à pouvoir parler à l'âne. Ah, madame dit, mais l'âne lui dit, mais depuis tout ça, oui, depuis ça, tu fais toujours. Mais tu parles à un âne. Tu lui dis, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis? Jusqu'à ce que l'ange lui dise, mais madame, s'il n'eût été cet âne ici, mais j'aurais pu couper la tête. Cet âne m'a vu, c'est pourquoi tu as vu effectivement ça. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quand même, si j'ai dû forcer pour aller à la voie qu'il ne fallait pas que j'aie. C'est leur intérêt, effectivement, c'est de manière. Donc, nous devons être conscients aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre nature à nous, en tant qu'homme, c'est toujours très opposé en fait à Dieu parce que. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Exactement. C'est pourquoi, avec notre nature, et pourquoi la grâce que nous avons sur le camp, nous avons des hommes de Dieu, Dieu leur accorde une grâce. Oui, monsieur. Dieu leur accorde une grâce. Ce que, quand vous vous tenez avec lui, vous êtes en face de lui, vous pouvez lui parler, effectivement, avec votre problème, votre situation, votre cas, Dieu peut lui montrer de voir plus loin. Amen. Alors quand vous lui posez la question, soyez sincère, respectueux dans ce moment-là. Quand vous dites, mon frère, est-ce que tu penses que dans ce voyage ici, Dieu peut m'accorder la grâce? Et l'homme ne peut pas donner la réponse comme ça. Il faut quand même qu'il sache qu'il y va de ta vie, puis tu dois prendre un avion. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand maintenant, je donne un exemple comme ça, quand maintenant, il dit, mais je crois que le Seigneur t'accorde la grâce, que les choses soient comme ça, et confiance. Et confiance. Que le Seigneur a utilisé quand même cette bouche-là pour quand même te parler. Pourquoi? Parce que tu es venu quand même demander, Seigneur, si tu peux me parler. Et maintenant, il te répond, prends maintenant ce que Dieu t'a donné. C'est cela la difficulté que nous avons tous. Quand Dieu nous dit, non. Je pense peut-être que ce n'est pas comme cela. Pourquoi? Mais c'est à cause de notre nature charnelle. Notre nature, effectivement, qui combat en fait, c'est. Je pense que j'ai beaucoup aimé mon frère Bernard quand il s'est tenu ici. C'est vraiment bien. Et ça, j'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit, mais la personne qui me déçoit le plus, c'est pas le frère, c'est pas la soeur, mais c'est la personne que je vois en face de moi tous les matins. Amen. Qui est-ce qu'il voit en face de toi? Mais c'est lui-même. Amen. Il dit, c'est moi-même dans ce miroir que je me vois. Il dit, mais il n'y a que moi ici. Donc, effectivement, il y a quelque part. Où la nature de l'homme, effectivement, combat en face la nature de l'esprit. Qui me séparera de ce corps? Qui peut me délivrer? Qui peut? Parce que, frères et sœurs, vous pouvez regarder une chose, c'est que c'est une nature qui est accrochée à votre vie charnelle. En fait. L'esprit que vous avez, charnel, fait partie de votre propre nature à vous. Je vais vous montrer quelque chose. Ça fait partie de vous. C'est d'ailleurs aussi, effectivement, votre caractère. Ya, monsieur, c'est vrai, ça.
fait votre façon, parce que ça forme ce que vous êtes. C'est là que le Seigneur vous accorde cette grâce extraordinaire. Oh, Dieu dit à Nicodème, il faut absolument naître de nouveau. Si un homme n'est pas de nouveau, parce que lorsque la nouvelle naissance prend place en toi, il faut bien remarquer ce que la Bible dit. Il dit, mais je vous donnerai un cœur nouveau. Ce cœur nouveau n'est pas le même cœur que vous avez quand vous êtes venu au monde. Non, messieurs. C'est un cœur qui est, quand Dieu dit nouveau, c'est nouveau. C'est pas l'ancien. Parce que l'ancien ne peut pas aimer ses frères. C'est pas possible. Parce que pour que tu l'aimes, il faut qu'il vienne de ta tribu, de ta province, de ton truc. Vous le savez. C'est sûr et certain. Parce qu'à ce moment-là, vous avez le même cœur. Vous avez des liens familiaux naturels. Vous pouvez vous aimer naturellement sans problème. Vraiment. Mais oui, c'est ce qu'on appelle mon filéo. Mais c'est vrai. Parce qu'il ne mange pas comme moi. C'est pour ça qu'on parle ici. Intégré, intégré. C'est normal. C'est normal. Amen. C'est parce que on vous prend ici, on vous amène effectivement au Maroc. Les Marocains veulent que vous soyez intégrés. C'est-à-dire que ne mangez plus de frites, mangez le couscous. Et puis, il faut être comme vous le voulez. Parce que c'est, il faut épouser la culture marocaine. C'est ça l'intégration. Vraiment. Alors, si vous êtes comme ça, ça va. Nous, on ne cherche pas l'intégration de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'intégration que nous voulons que les gens soient intégrés. Non, nous voulons des naissances. Amen. 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 Alléluia. Quand vous êtes nés dans la chambre de Dieu, vous y êtes, mon frère. Amen. C'est la nature qui prend place. Amen. Donc, il dit, un cœur nouveau, c'est un cœur qui aime. Alors, puisqu'il est nouveau... Dieu lui a donné les caractéristiques nécessaires. Parce que, vous avez bien remarqué, l'Écriture dit, puisque nous sommes charnels, nous avons reçu la nature de notre maman, notre papa, vous savez, c'est là, dire, comme il est mauvais, nous sommes aussi mauvais, tout ce qu'il était, effectivement, eh bien, nous le sommes aussi. Mais l'Écriture dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, Amen. Mais de la volonté de Dieu. Ils sont nés de Dieu, messieurs. Amen. Il n'y a plus rien de charnel. Donc, le corps, le cœur charnel que nous avions, un cœur de pierre, Dieu donne un cœur de chair. Amen. Alors, cet esprit charnel, effectivement, qui faisait de vous. Ce que vous êtes, effectivement, votre caractère-là, votre façon de valider, moi, je vois comme ça, moi, c'est comme ça, moi, c'est comme ci, comme c'est déjà, ainsi de suite. Un petit rien comme ça vous fait emporter. Alors là, Dieu dit, mais je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Amen. C'est pas le baptême du Saint-Esprit. Hein. Donc c'est, vous connaissez le nom. Amen. C'est un esprit nouveau, parce que le vieux esprit que nous avons, il a bien critiqué, il est trop soupçonneux. Et on se soignait, on pense ceci de moi, ceci toujours. Soupçonner mal toujours, quelque part, toujours. Amen. Et il parle avec des lèvres toujours au travers. Amen. Vous le connaissez, non? Amen. Il conçoit toujours du mal de tout le monde. Que tout le monde conçoive du mal contre moi, mais que moi je ne conçoive pas du mal. Amen. Parce que l'Écriture nous fait bien savoir. Pour que nous comprenions cela, effectivement, comme l'Écriture nous fait savoir dans 1 Corinthiens au chapitre 13, parce qu'après qu'il ait donné ce cœur nouveau, alors là, monsieur, madame, oh oui, puisque ce cœur-là, il est nouveau, et qui vous l'a donné? Mais c'est Dieu, parce que maintenant, vous êtes né de Dieu, vous n'allez pas vous occuper de choses inutiles. Non, monsieur. Ce cœur-là, maintenant, il va prendre plaisir à la parole de Dieu. Parce que il vient de Dieu et toi, tu n'es plus du monde. Amen. Tu as un cœur tout à fait différent de tous ceux qui étaient autour de toi. Certainement, mon frère. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est que, étant toujours dans un tabernacle de l'homme dans lequel nous sommes, il y a une nature nouvelle. Amen. Autrement, frères et sœurs,
Nous sommes des comédiens. C'est pourquoi vous pouvez regarder mon frère, je pense à l'exemple, qui est là. Tous ceux qui ont connu Jonas, ils savent qu'il c'est toujours Jonas. C'est vrai. Ceux qui l'ont connu, effectivement, regardez très bien, frère. Ceux qui ont connu Jonas, effectivement, qui ont parlé avec lui il y a 5 ans, 6 ans, avec Jonas, Jonas, on sait que oui, on fait des affaires avec lui, on sait qu'il est, quand on le regarde, on n'a pas vu qu'il a 4e bras ou 2e jambe. Non, c'est toujours le même Jonas. Mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est le voir à l'extérieur. Mais ces Jonas qu'on voyait tout à fait, il était extérieur comme ça. Son intérieur était aussi pareil. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais maintenant, ces Jonas ici, son extérieur restait ainsi, mais son intérieur, Amen. C'est le plus pareil. Amen. Donc je ne peux pas me fournir sur l'extérieur pour dire, il est. Non, monsieur, il n'est plus en fait, parce que celui qui est au-dedans est différent de celui que je vois. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous vous trompez beaucoup, frères et sœurs. C'est toujours dans le même voile, mais c'est à l'intérieur que Dieu fait le travail. Amen. Alléluia. Et si les habitudes sont toujours restées les mêmes, effectivement, j'aime un peu les cigarettes, un peu les verres, il y a un problème, effectivement, c'est que l'intérieur à l'extérieur, c'est pareil. C'est pourquoi on dit, mais frères et sœurs, habillez-vous comme ça. Vous verrez toujours qu'à un moment, les jupes sont longues, et puis après, ça monte comme court. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que cet esprit-là est toujours là. Vraiment. Amen. L'esprit de Dieu, frère, ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. Amen. Parce que ce qui vient de Dieu, effectivement, correspond à ce que cette nature qui est en toi. Et puis, la sœur ou le frère ne vont pas se trouver dire, oh, mais on nous embête. Non, non, non. Prenons un exemple, frère. Vous, sœur qui êtes ici, vous entendez, une femme qui porte un pantalon, fait toi, madame, c'est une abomination à l'éternel. Vous fâchez? Non. Vous direz, Amen, Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dedans. Amen. Mais si on prêche là, vous êtes assise avec la jupe, et qu'on voit que votre visage se fâche, c'est qu'à la maison, vous portez des pantalons. Mm-hmm. C'est vrai ou pas? Amen. Donc, il faut que chacun de vous se reconnaisse. C'est-à-dire que, en fait, vous nous montrez l'apparence extérieure comme si, oh, Dieu, je vais porter des longues jupes ici, mais quand c'est comme les enfants, hein, ils ont des longues jupes ici, quand ils vont à l'école, dans les toilettes de la gare des trains, ils rentrent effectivement dans les toilettes. Tu as vu qu'à la maison, la fille, tu avais, ah, mon mari, ah, ma fille, elle est convertie, elle a une longue jupe. Il dit, oui, attends, je vais te montrer. Eh bien, oui. Elle arrive, effectivement, elle a dit, ouh, paf, toilette, non, pas pompon. Quand elle sort, c'est autre chose. Et puis aussi sortir bien, oh, ma fille ne se maquille plus, elle est vraiment bien, oh là, mon Dieu, merci d'avoir changé le cœur de ma fille. Il dit, attends. Elle va à la toilette, effectivement, dans la gare, la papa, tout le papa, pouf, crayon, joum, 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 papa, 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 cheveux, pipa. À la maison, c'est un ange, dans l'extérieur, elle trempe, maman mia, si tu la rencontres, carrément tout. Tu dis, mais j'ai l'impression de voir certains, quand ils te voient, alors là, même si ce n'était pas son arrêt, hein. Tu dis, mais tiens, bizarre, est-ce que j'ai rêvé? Non, tu n'as pas rêvé. Parce qu'il était où il était, mais c'est pareil avec le frère aussi. Hein. Oui, il était où il n'était pas dans les conditions qu'il devait l'avoir. Mais c'est, en fait, vous vous trompez vous-même. Nous avons besoin d'un véritable changement, une transformation véritable, mon frère. Parce que ça, c'est quand Dieu fait une telle chose dans la personne. Amen. La parole de Dieu devient pour nous un génie de joie. Alors cette personne, quand elle peut entrer dans la maison de l'Éternel, merci frère, dans la maison de l'Éternel, et que peut, quand à ce moment-là, elle arrive d'abord, son cœur et son âme soupirent après des heures. Alors vous n'avez simplement qu'à commencer les choses, les cantiques. Elle y est dedans. Amen. Elle se retrouve dedans. Amen. Parce qu'en fait, tout ce qui est au-dedans de son âme soupire après. Parce qu'il ne vient pas dire, bon, maintenant, je prie, Seigneur, qu'on ne prêche pas tout ceci, cela, particulièrement. Non, Seigneur, je suis à toi. Amen. Ce dont j'ai besoin, que tu me frappes. Amen. Que tu me dises, parce que quand tu aimes, tu es aussi fort. Amen. Et tu parles fermement, ça. C'est vrai. Amen. Donc Dieu, il dit, mais je reprends
N'est-ce pas vrai? Et j'ai châtié tout ce que je déteste. Non, messieurs. Tout ce que j'aime. Ils font en fait avec Dieu. Et que, évidemment, Dieu, quand il te traite durement, c'est parce qu'il t'aime. Il veut réellement que sa nature se manifeste en toi. Il faut que vous observez très bien, la plupart du temps, les hommes de Dieu, comment Dieu travaille avec eux. De vrais hommes de Dieu, Dieu est très dur avec eux. Il les traite tellement durement parce que ces hommes doivent s'aligner avec la pensée juste de Dieu. Amen. Parce que ce sont des hommes. Ils ont aussi des pensées, mon frère. Bien sûr. Et Dieu veut travailler davantage et arracher effectivement pour que ça soit simplement sa propriété. S'il fait ainsi avec ses serviteurs, il va faire la même chose avec vous, ses servants. Amen. Ah oui, monsieur. Parce que Dieu tient à sa propriété. Alors, c'est comme cela qu'effectivement que cet homme de Dieu, là, je pense pas à toi, mais David dans sa prière, lorsqu'il priait, regardez bien, vous voyez lire avec nous, je crois que c'est le psaume, chapitre 51. David, vous voyez, le psaume 51, le psaume 51. Voilà. Il dit, oh, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Vous savez ce qui s'est passé avec David, non? C'est Nathan, le prophète. Vous connaissez, non? Ah, Nathan est venu vers David lorsqu'il lui a dit ce que David a fait. David était un roi. Vous connaissez, il est très bien, frère. Si vous allez dans les Saintes Écritures, dans le roi Israël, effectivement, prenons le cas par exemple de Jérémie, le prophète. Lorsqu'il pouvait parler au roi, dit voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait de Jérémie? Le roi, on appelait Jérémie, on le remettait en prison. Tu parles de paroles qui sont dures et qui montrent effectivement que nous, on va citer. Et puis, donc la plupart du temps, les prophètes, quand ils prophétisaient, il y a des rois, effectivement, on leur disait, ça vous avez fait de mal, effectivement. Les rois s'élançaient contre les prophètes en question, on les frappait, ou on les chassait, effectivement, ainsi de suite. C'est dans les Saintes Écritures. Mais ici, il s'agit d'un homme du nom de David. C'est David ici. La Bible dit qu'un homme, selon le cœur de Dieu. Amen. Il s'est trouvé dans cet état-là avec Bathsheba, vous savez cela. Et c'est Nathan, le prophète, qui vient lui dire, David, voilà ce qu'il a dit, ce qui s'est passé, ce que tu as fait. Tu l'as vu. Lui, David, étant un roi, il avait les pouvoirs. Il dit que toi, Nathan, tu viens me parler, moi, pour que. Il dit, est-ce que tu as le droit de venir devant moi en tant que roi? Il pouvait. Parce que les autres rois l'ont fait. Il pouvait. Mais regardez la position de David. Quand il a entendu réellement la parole de Dieu, effectivement lui montrant son état. Non, monsieur. Il n'a pas cherché des détours à gauche et à droite. Non. L'homme s'est mis à genoux, il a tombé la face contre terre. Il dit, Seigneur, je reconnais. Vous savez, Dieu aime l'homme. Quand Dieu aime vraiment un homme, et c'est effectivement, c'est nous en réalité qui n'avons pas vraiment la compréhension de choses de Dieu pour que nous puissions vraiment glorifier Dieu en toutes choses. C'est une grâce, mon frère et ma soeur, quand tu arrives à trouver grâce aux yeux de Dieu et que Dieu t'aime. Amen. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être, ça pourrait être choqué chacun de vous. Oh, j'ai dit, mais c'est quand même. Regardez, d'abord, lui, non, ce qu'il a dit. Il dit, c'est long, verset 4, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Je péchais contre toi seul. Vous savez que David savait très bien, très très bien que Bathsheba était la femme d'Uri. Et ce Uri
était quand même dans son armée. Il aimait Bathsheba, certainement. Mais il est allé jusqu'à pouvoir faire en sorte qu'il y soit placé dans... Vous connaissez l'histoire ? Alors il dit, quand je connais ta transgression, mon péché contre moi devant toi, dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Vous entendez ça ? Un homme qui se tient là, il ne cherche pas à pouvoir se justifier. Il dit, mais Seigneur, je reconnais, dit, mais là, vraiment, d'entre tu es juste et droit. Amen. Ce que tu as vu, ce que tu as dit, ce que tu dis, Seigneur, c'est vrai. Écoutez, non. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Voyez-vous cela? Donc la nature charnelle de péché de l'homme est là, il dit. Tu le sais, mon Seigneur, dit, mais c'est cela qui est dans mon corps. Fait toi, dit, mais toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez, vous êtes vraiment ici, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu veux vraiment que la vérité, tu veux que dans le fin fond de mon âme, moi ici, que la vérité soit ce qui est droit, ce qui est juste. Il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Parce que moi-même, je peux pas le faire. Vilifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, Dieu du ciel, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Amen. Et le pécheur révélera toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Frère, vous entendez cela? Amen. Il savait très bien cet homme ici que, oui, parce que, oui, c'est lui, effectivement, les tiens, oui. Il a été tué. Donc, parce qu'il avait été placé, effectivement, donc l'homme a été tué, effectivement, aussi. Il dit, mais délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Amen. Pas que, Seigneur, j'ai le droit. Tu vois, j'ai le droit. Non, monsieur. Non, madame, tu n'as pas le droit. Ici, l'homme, il dit, mais Seigneur, regarde-moi mon état, je te plois la grâce. Parce qu'un fils de Dieu, frère, quand quelque chose ne va pas, il abandonne la chose. Il doit revenir, effectivement. Il dit, mais voici mon Dieu, reconnais, Seigneur, pardonne. Parce que la repentance est une grâce, mon frère. Quand elle est profonde, Dieu pardonne. Regardez ce qui est extraordinaire, mon frère, et de frère. Ça va vous choquer. Mais pas chez moi, à partir de quelqu'un d'autre. David l'a pris, effectivement. Et puis il a même été tué. Quand cet homme s'est repenti, frère, Bathsheba était devenue la femme de David. Amen. Et c'est par Bathsheba que Salomon est venu, monsieur. Amen. Donc Dieu savait. Amen. Mais c'est seulement votre attitude à vous qui démontre effectivement ce que vous êtes. Amen. Oui, monsieur, c'est la Bible, frère. Amen. Et Bathsheba est venu Salomon. Parce que vous avez dit, mes frères, tu veux que... Non, monsieur, c'est la Bible. Amen. Donc Dieu, il savait ce qu'il en était. Mais en fait, quand nous nous tenons dans les choses, quand, frère, je ne sais pas comment est-ce que Dieu nous accorde la grâce, mais un fils de Dieu, une nature d'un enfant de Dieu est différent d'un païen. Amen. Un païen, frère et soeur, il se jette dans ses passions, dans ce qu'il peut être dans l'assemblée, il entendra, mais finalement ça rentre là. Ça dit, moi Dieu. Non, monsieur, ce n'est pas Dieu. Non, madame, ce n'est pas Dieu. C'est toi.
Quand c'est Dieu, effectivement, le cœur de la personne a brisé, il dit, mais Seigneur, ici, mais... Quand je vous disais, attendez, moi, il dit, Seigneur, moi ici, je veux vraiment, c'est le mois d'avril, moi, c'est le mois d'avril. Tu ne savais pas ce qui allait se passer. C'est vrai. Si, j'ai dit, quand c'est ce matin que je tentais de rouler dans la voiture, j'ai dit, que tu es vraiment bon. J'ai dit, mais Seigneur, tu voulais, tu l'as fait. J'ai dit, Seigneur Jésus, aie pitié, que c'est merveilleux. Quand toi, tu as quelque chose sous ton contrôle. Quand c'est quelque chose que... Parce que si moi, comme je devais avoir, et que je forçais, et que j'ai dit, frère, je savais bien une chose, regardez très bien, je vous bique la main. Quand j'ai eu à pouvoir entendre, le monsieur me dit, écoutez, la salle, mon loupage, j'ai forcé à la salle, effectivement. Puis j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je devrais arriver à pouvoir faire? Il dit, bon, soit je cherche un autre endroit pour pouvoir louer quand même, mettre quand même dans cela, effectivement, ainsi de suite. Alors je regardais, j'ai dit, mon frère, je ne disais rien, parce que vous devez savoir que chaque fois qu'il y a une situation, moi je cherche toujours la face de Dieu. Et j'aime savoir ce que Dieu a. Je vais aussi vous dire, quand vous avez une situation qui se passe à l'Assemblée. Vous vivez avec moi depuis très longtemps. Ne dites jamais que le frère ne sait pas et que le frère ne voit rien. Et surtout, vous qui avez la langue pendue, vous parlez souvent. Il faut arrêter, je l'ai dit l'autre fois, il faut arrêter. Nous ne sommes pas dans une église catholique, protestante, baptiste, je ne sais pas pourquoi, où Dieu ne peut pas parler, où Dieu ne montre rien. J'ai la grâce de Dieu parle aussi et qui me montre aussi des choses, mais je ne dis jamais rien à la plupart du temps. Les temps, Dieu montre les choses, et Dieu aussi, par sa parole, me montre en disant, mais voilà, c'est, et ça c'est aussi vrai. En rapport avec ta situation, voilà ce qu'il a dit, ça, c'est ci. Je peux le voir, mais il me donne pas l'ordre de pouvoir en parler. Je regarde. Quelle est la grâce qu'il m'accorde à ce moment? C'est de pouvoir voir l'état spirituel des uns comme des autres. Amen. C'est comme ça qu'il me fait. Oui. Je me tiens là. C'est comme ce matin, je vais vous dire. J'étais là à mon bureau, j'étais logé dans la parole pour arriver à pouvoir me changer. Je pouvais demander au frère de m'amener les tableaux ici, et le frère des coquilles. Ce n'est pas le moment pour eux maintenant de voir ces coquilles. Dieu connaît vous, enfin, il vous connaît. Il sait à quel moment, effectivement, il prend le temps. C'est pour ça que je dis, mon Seigneur. Que, alors, la cour de la grâce, effectivement, que dans une circonstance, une situation, il ne laisse jamais dans les ténèbres. Amen. Frères et sœurs, ce lieu ici, je vous l'ai dit, ce lieu que vous voyez ici, cet endroit ici, frère, si seulement Dieu vous ouvrait les yeux et que vous voyez ici, vendredi, nous étions ici, effectivement. Parce que certains pouvaient dire, mais est-ce que Dieu de la Bible, frères et sœurs, vous avez remarqué, je vous l'avais dit moi, j'ai dit, mais bon, parce que, et j'ai dit, mais on va venir, on va prier un peu, hein, 8 ans, vous avez remarqué comment je vais passer. Vous avez quand même le témoignage, c'est pas l'homme, que ça n'a rien à voir avec l'homme. Ici, c'est Dieu qui domine. Amen. C'est pas l'homme, vous avez remarqué, vendredi, comment Dieu a conduit. Il passe effectivement, et puis comment sur était effectivement, comment il est descendu. Alléluia. Je vous dis que même les instruments qui ont joué, dont chacun de nous, avec le cœur que nous avions, c'était tellement si puissant que les lieux a tremblé. Qui peut douter, frère, de ce que ce Dieu n'était pas ici? Il le prouve à maître reprise. Il est là. Amen. Que Dieu te bénisse, Amen. C'est la vérité. Amen. Si simplement nos yeux s'ouvraient un peu, on puisse voir effectivement celui qui se tient ici, on tremblerait tout le temps. Amen. Alléluia. Nous avons, et c'est pas parce que c'est moi qui me dis, mais c'est vrai, frère, ça, nous avons une grâce particulière. Amen. Que le Dieu du ciel nous a vraiment accordé. Alors saisissons cet écartant, comme je disais, oui,
J'ai dit, j'étais assis dans mon bureau, là-bas. Qu'on dit dans la Sainte Écriture, je lis bien, il dit voilà ça et ça. Frère, la manière dont Dieu m'instruit, vous l'avez quand même pu remarquer, il me prend une écriture auquel moi-même, je ne veux même pas, il va pouvoir penser. Il me couvre, il dit, lis là, et puis va ici, et puis frère et soeur, je sais que je me tiens devant le peuple de Dieu, et je me tiendrai devant Dieu, parce que je sais qu'il me connaît. Amen. Amen. Je connais la responsabilité que j'ai. Donc, j'ai dit, il dit, là, ceci, et cela. Donc, quand les situations arrivent dans l'assemblée ici, frère, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Amen. Amen. Quand je n'ai rien dit, alors ne dites rien. Amen. Continuez simplement, et Dieu m'accorde la grâce d'observer maintenant l'état spirituel, parce que nous recevons le prédicateur. Vous savez bien comment Dieu parle. Il nous parle avant que certains événements n'arrivent. Amen. Il faut Amen. Toujours prêter attention. Amen. Quelques temps plus tard. Vous savez, je vous donne un exemple. Attends, parenthèse. Quand on a commencé cette année ici, qu'est-ce que je vous ai dit? La parole que nous avons dit. Nous avons entendu que le Seigneur va agir d'une manière individuelle avec Amen. Chacun. Amen. Vous ne les vivez pas? Amen. Soyez satisfaits. Vous ne les vivez pas? Amen. Même jusqu'aux enfants. Amen. D'une manière particulière. Dieu s'est saisi de l'un comme de l'autre. Vous entendez ça? Donc, le Seigneur quand même nous parle quand même de choses en avant, sachant qu'il y a des choses qui allaient venir effectivement, pour que, quand la chose arrive, quelle serait la réaction de ceux-là qui sont là? Est-ce qu'ils ont prêté attention à la parole? Pour savoir comment réagir? Ou bien, l'influence. C'est souvent nos émotions charnelles. C'est ça notre obstacle. Pourquoi on a dit ça de lui? Pourquoi on a fait ça, Cécile? Mais en fait, ça, c'est ta chair à toi. Le problème, c'est avoir le Dieu du ciel. Qu'est-ce que toi, tu veux nous apprendre? Parce que c'est pas normal. Mais toi, tu vas devoir nous instruire. Chaque chose est une instruction de Dieu. Donc, nous nous mettons dans la chose pour que notre raison dans la porte, pour que Dieu nous aide afin que nous puissions simplement nous laisser conduire par l'Esprit. Et c'est vrai, frères et sœurs. Quand vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, on vous prendra pour un fou. Voilà pour quelqu'un qui ne voit pas bien, quelqu'un qui ne comprend pas très bien. Mais ça, c'est comme cela qu'ont été toujours tous les hommes de Dieu. Amen. Tous les serviteurs ou servants de Dieu l'Éternel ont été toujours comme ça, mal regardés, alors qu'ils étaient spirituels. Et qu'ils voyaient effectivement ce que Dieu voulait, effectivement, parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. C'est comme cela que nous voulons être conduits aussi par cet Esprit du Seigneur. Alors, nous voyons que l'homme, David, de tout son cœur, il s'est vraiment répandu devant le Seigneur. Il dit, mais voilà ma nature, mais ce que tu veux. C'est que je veux, Seigneur, ce que crée en moi un cœur pur. Et qu'un esprit de bonne volonté. L'homme montrait effectivement quoi? Que malgré ce que le Seigneur a eu à pouvoir aussi nous montrer, il avait toujours de la reconnaissance à l'endroit de ses dieux. Il ne s'est pas révolté à l'endroit de Dieu, effectivement. Il a voulu s'appliquer conformément à ce que Dieu voulait, et Dieu voyant son état, alors Dieu savait. Connaissant, effectivement, son fils David. Le plus important pour l'homme, qui est la création de Dieu, effectivement, et comme Dieu le montre, effectivement, le plus important pour l'homme, c'est de pouvoir arriver à pouvoir prendre ce qui plaît à Dieu plutôt qu'à ce qui plaît à l'homme. Notre nature à nous combat effectivement ce qui plaît à Dieu. C'est comme ça que nous avons lui dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour que moi je trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, mon frère et ma soeur, il faut que moi, le moi de moi, puisse mourir pour que réellement, le Christ et la parole, effectivement, puisse vivre à moi, comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Alors, quand Dieu donne un nouveau cœur, il donne maintenant un esprit nouveau, l'obéissance suit, effectivement, c'est là qu'il dit que, mais Dieu accorde donc le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Parce que Dieu ne peut pas descendre, effectivement, dans un cœur, effectivement, qui n'est pas certain. Un cœur qui est encore avec un peu des incertitudes à gauche et à droite, ce n'est pas possible. Il faut qu'effectivement que ce cœur-là soit vraiment sûr et certain de Dieu. Alors là, vraiment, Dieu lui-même, parce que
Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui descend dans l'homme. Amen. Voyez-vous, c'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, il nous dit, hein, nous retournons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, regardez bien. Il nous dit quelque chose que nous avons toujours à dire, je vais dire, oh, il dit, mais, voilà. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ce n'est pas l'amour ou la charité, je suis un arin qui résonne ou une cymbale qui retombe. Et quand j'aurai les dons de prophétie et la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi sera transportée des montagnes, je n'ai pas l'amour, je ne suis absolument rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture du pauvre, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour en soi des dieux est patient. Donc la charité est patiente. Elle est pleine de bonté, la charité ne point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, la parole de Dieu, et il espère tout, il supporte tout. La charité ne périt jamais. Donc regardez très bien mon frère et ma soeur. Ça, c'est pas la nature de l'homme. Ça, ça ne peut pas être la pensée. Même si tu peux faire tous les efforts que tu veux, ça ne pourrait jamais se passer dans la vie d'un homme. Mais pour que ça se passe, il faut que Dieu lui-même vienne effectivement dans le corps de l'être humain, dans son corps maintenant, alors cet homme devient bon. Ces deux personnes, vous pouvez l'insulter, il ne vous rendra jamais l'insulte. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Parce qu'il y a quelque chose de tellement précieux descendu. Puisque Dieu, maintenant, le tient, il a mis son sang, il a fait descendre quelque chose qui garderait cet homme dans la voie de Dieu. C'est quoi? Le trône des jugements. Amen. Qui est le trône de miséricorde dans Dieu, dans l'homme? Parce que là, ça descend maintenant. Quand quelque chose vient, puisque c'est là dans la personne, juge maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. Avant, ça n'était pas là, parce que la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Et lui-même, il est jugé par personne. Oui. Donc cet homme, il est conscient, puisque frère et soeur, le Saint-Esprit étant descendu en toi, c'est sûr et certain que quand quelqu'un vient t'insulter, si tu réponds par l'insulte, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en toi. Non, monsieur. Tu peux tout m'expliquer. Tu as dansé un esprit, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme né de nouveau, rempli de suite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas insulter son prochain. On peut l'insulter, mais lui ne pourra pas. Parce que quand on insulte, vous savez, le Saint-Esprit était comme un bouchon. Vous me suivez? Amen. Quand la pensée de la suite devait monter, le Saint-Esprit monte et met comme une barrière. Il dit, mais qu'est-ce que le Maître t'a dit? Vraiment. Il a dit, il vous rappellera toutes choses. Il vous enseignera. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il dit, mais le Maître n'a-t-il pas dit que injurier, il ne rendait point d'injure? Donc c'est ça qui t'instruit. Donc le Saint-Esprit t'instruit toi. Lorsque l'insulte vient, paf, on va. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Pourquoi il a dit pardon? Il a commencé à s'égratter. Parce que quelque chose l'a rappelé. Amen. Amen. De ta bouche, tu ne peux pas sortir ça. Alléluia. Et même quand il dit, oui, mais la pensée vient pour dire, mais si je pouvais, paf, le Saint-Esprit monte. Parce qu'il contrôle tes pensées, mon frère. Amen. Tes pensées sont purifiées, sont sanctifiées, sont tout cela. Bien sûr, messieurs. Et il a, alors à ce moment-là, Dieu a la domination sur toi. Et il dit, tous ceux qui sont conduits, maintenant tu es sous la conduite. Pas sous ta conduite à toi, mais sous la conduite de celui qui domine sur toi. Avant, Satan dominait, maintenant c'est Dieu qui domine sur toi. Tout ce que maintenant je veux faire. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc nous arrivons à un moment, effectivement, que maintenant, la chair n'a plus de dessus sur moi. Je vais terminer.
fatigue. Qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons lu avec vous, effectivement, l'autre fois, dans Romains au chapitre 8, je vais le lire avec vous maintenant aussi, il dit, Romains 8, il dit, ici, on l'a dit, verset 12, il dit, Romains 8, il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Donc effectivement, que quand les actions du corps veulent monter, l'esprit agit effectivement, mais il a la domination sur toutes choses. Pourquoi, frère? Parce que nous sommes encore dans ces voies charnelles. C'est pourquoi on parle de notre rédemption. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors il continue en disant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore à la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui veut dire qu'effectivement que l'esprit du monde ne peut plus avoir une domination sur nous. C'est pourquoi les frères ou les sœurs, comme je donne l'exemple là, une sœur ne va pas allonger la jupe parce que le pasteur lui a dit, et que si, parce que si vous le faites, vous faites la jupe longue, mais quand vous allez sortir, vous allez arrosir de toute façon. Parce que vous allez le faire parce que le pasteur l'a dit dans sa présence, évidemment, mais après vous allez la raccourcir, n'est-ce pas vrai? Mais en fait, il ne va pas faire cela parce que. Et puisque pourquoi vous le faites? Parce que. C'est ça aussi le problème. Quand on parle effectivement de jupe, pourquoi les femmes à l'extérieur mettent les mini-jupes? La raison c'est quoi? Mais c'est pour monter l'argent. Vous n'allez quand même pas dire le contraire. Les femmes. Ont, je ne sais pas, cette manie de pouvoir vouloir exposer leur mollet dehors. Vraiment. Je ne sais pas. Alors, si vous vous exposez, regardez-moi ici, s'il vous plaît. Si vous exposez, parce que vous aimez les faire, vous exposez les mollets parce que vous voulez que les jambes soient vues. Alors, montre-nous aussi vos seins. C'est ça. Pourquoi seulement arrêter là? Il faut aussi dénuder ici. C'est vrai, non? Oui. Mais en parlant de cela, frères et sœurs, ça vous gêne, ça vous choque. Mais quand même, réfléchissez. Comment. Toi, quand même, une femme normale qui se respecte, tu dois quand même montrer tes jambes à quelqu'un. Bon. En plus, c'est encore en plus dans la rue où tout le monde passe là, tu es entré, puis tu mets aussi les talons pour que hein, ça se voit encore mieux. Et puis bon, je ne sais pas moi. Mais non, ce que les femmes, si vous dites que ce monsieur, il est malade, il n'y a pas de problème. Mais quand même, pensez quand même. Dehors, vous voulez que vos jambes soient mises donc en exergue. Pour qu'on puisse voir comment elles sont jolies, mais elles sont vôtres. Elles sont vôtres. Et réfléchissez quand même que à quoi ça sert, en fait. Oh oui, mais nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez faire, vous voulez du quoi. Quand on arrive à pouvoir quand même bien viser une femme normale, normalement constituée, elle ne peut pas faire une chose comme ça. Quand je parle dans les mettez vos élèves, oh mais pasteur, jusqu'à ce point-là. Mais si vous ne pouvez pas le faire ici, pourquoi vous le faites là? Parce que vous dites que vous êtes quand même des sœurs, non? C'est honteux pour une sœur de venir ici sans cacher sur ses seins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Mais vous venez quand même là, vous venez ici avec des jupes ici, on voit vos jambes. C'est vrai ou pas? C'est vrai, oui. Alors, si vous savez faire cela, faites-le dessus aussi, alors, comme ça, ça fait le complet. Ici, c'est un peu dénudé, en bas dénudé, ici caché, pas de problème. Comme ça, vous chantez bien. Non, mais ça vous semble bizarre, mais c'est ça, en fait. Ce que vous ne comprenez pas, ce que l'amour de Dieu à l'endroit de la personne, l'habille pour que la personne soit respectée. Alors, vous faites que Dieu te bénisse, ma belle-mère. Vous ne faites pas cela parce que, pour qu'en venant à l'assemblée des chrétiens, et que dehors, vous raccourcissiez,
Mais vous faites cela parce que votre intérieur n'a plus rien à voir à plaire au monde. Amen. Parce que ceux qui mettent les jupes, c'est pour que les gens apprécient. Ah, il est à la mode, et il s'habille comme nous, il n'est pas une vieille, parce qu'on dit toujours, c'est comme vous voulez qu'on soit des vieilles. Non, Dieu ne cherche pas ce que... Si Dieu voulait vous soyez des vieilles, il n'y aurait pas la jeunesse. Vous comprenez? Il y a quand même la jeunesse, l'enfance, quand même. Dieu connaît quand même. N'est-ce pas vrai? Mais c'est seulement des choses telles que nous sachons comment nous tenir, pas parce que nous voulons plaire au monde. Quand vous faites cela, écoutez-moi, frère, ça, vous avez encore l'esprit du monde. Oui. Et avec un tel esprit, Dieu ne peut rien faire avec vous. Amen. Nous avons besoin d'avoir un esprit qui est l'esprit de Dieu, amen, qui fait qu'effectivement, que quand même je vois les choses du monde, que ce soit même les frères de cette vie, c'est vrai, on court à quoi aussi? À la mode aussi, hein? J'ai vu des prophéties, des costumes un peu, quand ça sort au magasin avec mode comme ça, virgule, on veut aussi. Nous les chrétiens, on n'a pas ça. Amen. J'ai pas dit que mettez-vous dans les vieux, papa. Non, j'ai pas dit ça. Non. Mais habillons-nous pardon, correctement. Mais pas suivons pas le monde. Quand on suit le monde, effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Amen. Sur les acteurs. Mais on est censé pouvoir être comme Dieu. Alors à ce moment-là, lorsque la parole de Dieu vient dans notre cœur, quand nous avons mis notre vie en ordre, quand nous nous tenons dans la maison du Seigneur, nous prenons plaisir. Amen. Nous prenons plaisir à quoi? À la parole. Alléluia. Ce n'est plus moi, l'homme naturel, qui prend plaisir, mais c'est l'homme intérieur. Amen. Romain, vous connaissez l'homme? Donc, l'homme intérieur prend plaisir à la parole de Dieu. Amen. Mais l'homme charnel, il est contraire à cela. Et comment est-ce que je peux arriver à pouvoir prendre plaisir? Mais Seigneur, que je puisse mourir, mais que toi, tu puisses vivre. Amen. Pour que je sois semblable à toi. Amen. Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous accorder la grâce, mon frère et ma soeur, de pouvoir réellement saisir ces choses qui nous sont d'une importance capitale. Parce que à quoi ça servirait? Que je vous mette les tableaux ici, que je vous montre effectivement l'état, aujourd'hui actuel, effectivement, l'esprit dans lequel les choses sont devoir avancer, si déjà vous-même, vous ne savez même pas quelle est votre position avec la parole de Dieu. Mm-hmm. C'est ce que ce prophète de Dieu, une fois maintenant, disait, mais ils ne connaissent pas encore l'ABC. Ils veulent déjà qu'on les ramène jusqu'à ce point-là. Mon frère et ma soeur, vous avez besoin d'abord. Parce que ces choses que nous recevons maintenant sont pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Pour que toi aussi, tu aies la compréhension de ces choses. Pourquoi? J'allais poser la question. Et vous souvenez de ceci, ça commence à murmurer un peu. Frères et sœurs, ça va être des choses déjà acquises. Par vous, pour que, quand le Saint-Esprit veut maintenant passer dans l'autre étape, que vous soyez déjà prêts, parce que c'est pour vous. Dieu ne parle pas au mur, monsieur. Il parle au peuple. Enfin, que le peuple est aimé. Seigneur, ça, c'est pour moi. Alors, quand je viens, Seigneur, mon âme est disposée à pouvoir entendre. Parce qu'il s'agit maintenant de la marche avec toi. Bientôt, nous allons rentrer à la maison. Quand on dit bientôt, c'est vraiment bientôt. Si nous regardons les choses qui sont autour de nous, nous pouvons certainement avoir l'assurance que le Seigneur Jésus, il reviendra. Puissions-nous être prêts, comme l'Écriture dit, celles qui étaient prêtes entrèrent. Mais celles qui n'étaient pas prêtes, effectivement, ils étaient aussi des croyants, ils avaient aussi la lampe, effectivement, ils pouvaient aussi se réjouir. Et comme ça aussi que, quand vous chantez, regardez-moi, je peux vous terminer, je vous demande de vous lever après vous. Quand mon frère entonne les chants et les cantiques, lorsque vous chantez et que vous dansez, posez-vous la question. Seigneur, dans quel état d'esprit, moi, je me mets ici? Parce que quand je vais sortir, quels sont les chants et les cantiques que je vais écouter chez moi? C'est un esprit, c'est un temps de mélange, mon frère. Donc maintenant là, je vais savoir dans quel état d'esprit je me trouve. Quand lui, il est sous l'onction et que tu es au milieu de nous, quand je me lève, je danse, mais dans quel état d'esprit je suis? Parce que mon frère et ma soeur, comment peux-tu, ici, tu es dans l'esprit du Seigneur, tu chantes des cantiques, cet été, que tu rentres chez toi à la maison,
que tu mettes encore ces genres de cantiques du monde, que tu écoutes effectivement, quel mélange. Vraiment. Comment veux-tu que ton âme à toi puisse arriver à pouvoir avancer? Amen. Non, monsieur, je bénis Dieu. Vous savez, quand je l'ai toujours dit à pouvoir vous le dire ici, quand je vois ces enfants se mettre ici, un jour vous comprendrez ce que je vous dis, vous glorifierez Dieu. Quand je vois ces enfants se mettre ici, sans qu'ils soient obligés, mais vous chantez les cantiques comme ils chantent. Quand tu rentres à la maison, vous savez, parfois, vous dites, mais je m'assieds simplement. L'effet, je crois qu'un jour, ils étaient là, ils ont chanté, je crois que c'était un cantique. Crucify, vous vous souvenez? Ils ont chanté en français. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, fais que mon frère continue. J'ai pleuré tellement que je ne savais pas me mettre debout, j'avais honte de voir me tenir devant vous. La manière dont ces enfants chantent, et puis comment ils ont chanté ce chant, mon âme était prise. Il a dit, Seigneur, tu es vraiment, vous ne voyez rien du tout. Que Dieu nous accorde la grâce. Car c'est aussi un jugement, frère. Ce que vous méprisez là, des petits derrière. Des petits enfants que Dieu arrive à voir mettre la soif de chaque jour. Vous chantez les cantiques. Et vous rentrez chez vous, vous remettez le vieux CD. Que Dieu vous aide. Amen. Levons-nous.